Salut à tous, c'est Xyz14, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre gameplay sur The Last of Us 2. Hop. Et on va reprendre, on s'était arrêté juste au début de ce nouveau chapitre. Allez, viens. Par ici. Je te suis. Est-ce qu'il te manque? Jesse? Non. Vous étiez ensemble depuis longtemps. Écoute, Jesse est génial. J'adore ses parents. Ils seront toujours ma famille. Mais on était en pilote automatique. Comment ça se fait qu'on en ait jamais parlé avant? Je sais pas. J'avais pas... Toi, tu m'as jamais vraiment parlé de Kat. Ouais. Parce que... y a pas grand-chose à dire. Aïe. J'avais l'impression que tu l'aimais pas vraiment. Pour tout te dire, je m'en fiche totalement. Ok. Mais elle est douée comme artiste. En fait, je commence à aimer ton tatouage. Comme c'est gentil. Mais je pense qu'elle n'était pas faite pour toi. Intéressant. Et toi? Ok. Tu peux attacher Payette ici. Hé. Hey. Tu veux voir un truc hallucinant? Tu vas te montrer du doigt, c'est ça? Non, hallucinant, c'est pas le mot. D'accord. Allez, la débile. Qu'est-ce que tu dis de cette vue, hein? C'est plutôt sympa. Ouais, elle est cool, cette route. Où il est, le registre? Viens. Merde. Et là, bien faire gaffe, il y a une entrée de journal, voilà, qui était juste ici. Alors, je pense qu'elle est facilement loupable. Tu faisais cette patrouille avec qui avant? Jesse? Eugène. Oh, ouais, Eugène. Il était trop drôle. Oh ouais. En plus, il m'a appris à recâbler des circuits et d'autres trucs dans le genre. J'espère avoir autant la patate à 73 ans. J'espère qu'on arrivera à 73 ans. Par ici. Bah, allez, grimpe, andouille. Le registre. C'était quoi cet endroit? C'était une tour radio avant. J'imagine que le banc, c'est celui de Gênes. Il est à moi. C'est lui qui me l'a donné. D'ailleurs, t'en as sur toi? Non, oh, j'aime pas bien.
Eugène en avait toujours, lui. Et vous comprendrez bientôt pourquoi. J'étais persuadé qu'il y avait un truc avec des pilules dans le coin. J'ai dû rêver. Alors soit c'est du coup, est-ce que c'est 3-2 ou 2-3 vu qu'ils inversent la date? C'est donc c'est le 2 mars. Parce que il n'y a pas 16 ou 28 mois. Donc le 2 mars. Viens voir. La dernière étape, c'est cette ville. Regarde. Je vois un centre commercial. Celui avec le supermarché? Non, la ville est plus loin. Voilà la ville. Avec l'espèce de grande tour. Ouais, c'est là qu'est le prochain poste de guet. Viens, on retourne aux chevaux. Question. Tu portais pas déjà les mêmes fringues hier? Elles sont propres. On devrait mourir comme Eugène. Quoi, d'un AVC? Non, de vieillesse, après avoir bien vécu. Toi? Jamais de la vie. T'es trop imprudente. Oh, tu peux parler. Oh, tu mourras sans doute d'hypothermie à force de marcher avec des baskets en toile dans la neige. Hé, hey, je porte des bottes, là. Tu crois qu'on devrait fouiller ces maisons? Ça a l'air mort, mais on peut si tu veux. Je parie qu'il y a des trucs à trouver. Qu'est-ce que tu sais sur cet endroit? C'est juste un autre quartier qui a été évacué. Les infectés arrivent quasiment jamais jusqu'ici. D'habitude, on les chope sur le périmètre extérieur. Elle est cool, cette caravane. Une vraie petite maison portable. Tu crois que les gens voyageaient vraiment là-dedans? Tu le ferais pas, toi? Si j'avais vécu avant l'épidémie, carrément. J'aurais fait le tour du pays. Ou même partir à l'étranger. Un jour, peut-être. Ah, c'est beau de rêver. Jessie parle beaucoup du Canada. Il voulait voir des espèces de chutes d'eau géantes. Ah ouais? Je croyais qu'il était amoureux de Jackson. À chacun ses rêves. Tu fais quoi ce soir? Je pensais faire une soirée film avec Joël. Oh. Et ça va, vous deux? Ouais. Vous allez regarder quoi comme film? Il aime quoi, Joël? Curtis et Viper 2. Ça fait un moment que je vais le regarder, celui-là. Ah, ok. On se regardait souvent des films d'action des années 80. Il est complètement fan. Ah non. C'est plutôt pas mal, en fait. Et toi, alors? Tu fais quoi après ça? Avec les autres, on parlait de faire la luge. Pour faire de la luge. Ça a l'air marrant. Ouais.
On se retrouve après? Ok. Viper 2. C'est deux anciens commandos qui abandonnent tout pour combattre des méchants. Et je crois que dans celui-là, ils affrontent des espions russes. Ah, c'est beaucoup plus intéressant que ce que je pensais. Bordel. Il fait encore plus froid. J'espère bien. Tu crois qu'il en faut combien pour buter un élan? Pas qu'un seul. Ils sont où, putain? Allons les trouver. Il est mort. Et dehors. On va essayer de faire le tour pour rentrer par l'arrière du supermarché. Bonne idée. C'est pas ça que je voulais faire, c'était ça. Ah, donc il en faut au moins 30. Bloquée. Comment il a fait pour rentrer le coureur? Ouais, c'est une bonne question, ça. C'est quoi ton record d'infectés tués pendant une patrouille? Ça doit être celle que j'ai faite avec Joël il y a environ un an. Il y en avait peut-être une douzaine. Et toi? J'en ai buté à peu près 20. Il y avait un groupe de passage. Putain. Peut-être qu'on va battre ton record aujourd'hui. Dina, le coureur. Fais pas de bruit. On va voir ce que ça donne. Thank you.
Non. Je crois que c'est bon. Faut encore qu'on s'occupe de ceux dans le supermarché. On va faire le tour. Il doit bien y avoir un moyen d'entrer. Ok, vas-y. Il y a un trou dans le toit, là-bas. Va. Merci. Là, tu vois? Bon, on n'a plus qu'à trouver comment y aller. Ellie, est-ce que ça va? Ouais. Juste un peu secouée. T'as intérêt à mourir de vieillesse et pas en te faisant infecter. Je veux pas être obligée de te tirer une balle dans la tête. Ok. Super. J'ai trouvé quelques trucs. Cool. Tu vois un moyen d'atteindre le toit ? Pas sûr. Par là. J'y suis. J'ai trouvé de l'alcool. Et moi du tissu. Tiens, arrange-toi un peu. Il y a des spores. Il faut les masques. Ok. Oublie pas. Je veux pas te tirer une balle dans la tête. Ah, c'est mignon. Tous ces spores, ça veut dire qu'ils sont là depuis un moment. Fais gaffe, les infectés seront plus dangereux. Ouais. Ça fait partie du supermarché ? Je sais pas. Je crois qu'on est au-dessus. Faut qu'on aille au rez-de-chaussée. Alors, regardez tout de suite l'adresse. Alors, c'est juillet 2013, donc. Donc, c'est 07-20-13. Donc là voilà, en fait c'est le truc qui te donne le code et donc c'est la date qu'on vient d'avoir, donc c'est 07-20-13.
toujours casser les distributeurs. Toujours. Saloperie aveugle me donne la chair de poule. Viens, on va voir si le reste du bâtiment est dégagé. Ensuite, on se casse de cet endroit. Ça, je suis d'accord. Dina, tu peux m'aider. J'arrive. Je te prépare un cadeau. J'aime les cadeaux. Ellie. Tiens. Molotov. Merci. Fais gaffe avec ça. Je maîtrise. C'est pas fini. Non. Tu sais quoi? On est impressionnante. Ouais. Ils vont pas nous croire quand on leur donnera notre score. Allez. On va au prochain poste de guet. Et on fait une pause. On l'a bien mérité. D'accord. Thank you.
c'est facile. Il suffit que tu me lances à travers ce trou dans le toit. Ok. Il y a un câble. Voilà, c'est bon. Ça devrait tenir. Allez, vas-y. Mais grave. Ok, c'est bon. J'y vais. De la porte. T'es déjà venu? Je suis passée dedans. Sans entrer. Bon, on va s'assurer qu'il n'y a personne. A tout verrouillé. Il y a un truc au fond. Je crois qu'il y a un lit. Tu penses que c'est un squatter? Tu vois un moyen d'entrer? C'est quoi tout ça? Tous ces trucs électroniques. Forcément halogène. T'es sûr? Ouais, personne d'autre s'amuserait à bidouiller tout ça. Mais pourquoi il me l'a pas dit? Ah. Ouais, c'est bien la planque de gêne. Il faisait partie des Lucioles? Ouais, avec Tommy. Je savais pas. Ouais. Ils ont fait des trucs assez moches. Du genre? Il a dit qu'il avait fait sauter un poste de contrôle dans une ZQ de Denver. 3 soldats sont morts. Et 2 civils. Bordel. Il m'a dit aussi que lui et Tommy avait torturé un général
de la Fedra. Je sais pas, j'ai du mal à imaginer Tommy faire tout ça. Il a fait pire. Comment ça? Lui et Joël ont fait pas mal de trucs pour survivre après l'épidémie. Radiateur. Il doit forcément y avoir un générateur dans le coin, c'est sûr. Hey, j'ai trouvé le générateur. Ah, je préfère ça. Oh, waouh. Il est pas mal, ton établi, Eugène. Je parie que tu peux modifier ton arme avec ça. Bah, c'est un peu le but, hein. Ellie, regarde par terre. Il y a d'autres trucs en bas. Tu vois un moyen de descendre? Pas ici. Aide-moi. Qu'est-ce qu'il cachait en bas? C'est forcément un donjon SM. C'est pour ça qu'il t'en a pas parlé. Franchement, j'espère pour lui que ça... Il était tellement seul. J'hallucine. C'est de la weed. Ça fait beaucoup de weed séchée. Elle pèterait un câble si elle voyait cet endroit. Comment il a récupéré tout ça? Ça a dû lui prendre des lustres. Il aurait dû m'en parler. Eh? Il a des cassettes vidéo. La queue du loup. Smash, Brandy, Scooch. C'est... du porno. Je n'avais des goûts spéciaux. Dina, c'est un bang masque à gaz. Oh, il était vraiment pas con. Et maintenant, le dernier qui déclenche la suite. Oh, intéressant. Tu crois qu'elle est bonne? Ça périme, la weed? On va voir. Un coup de main? Non, c'est bon. Oh, putain. Donne-moi ça. Quoi? Tu crois que tu peux faire mieux? Ah, j'avoue, c'est... Ouais.
Qu'est-ce qui tourne pas rond chez toi? Bah quoi, je l'ai ouvert. Ça sent bon. Tu sais, on va rester coincé un moment. On est pris au piège. Je peux te poser une question? C'est pas ce que tu viens de faire? Sur une échelle de 1 à 10. 1 étant complètement nul à chier. Et 10 étant à couper le souffle. Quelle note tu donnerais à notre baiser d'hier soir? Pourquoi tu veux revenir là-dessus? T'as dit que c'était une erreur? Moi, j'ai dit ça? À quoi tu joues? Je te demande juste de noter ce baiser. Je sais pas. Moi, je dirais 6. Un 6? 6, c'est déjà pas mal. Ok. Il y avait du monde autour de nous. Ouais, mais 6. Bah, quoi? J'ai vraiment envie d'entendre ta note maintenant. Je crois pas, non. T'es chiante, tu sais. C'est toi qui dis ça? Tu me donnes envie de retourner en plein blizzard. Personne t'en empêche. T'as intérêt à faire mieux que 6. Super désaffecté. Oh putain. Oh!
c'est pas de meilleure idée en tout cas. Hé, hey, t'as un flingue? Ouais. C'est Tommy. Lui, c'est Joël. C'est quoi ton nom? Abby. Abby, tu vas bien? Ouais. Ça va pas tenir. Faut faire demi-tour. On pourra pas cavaler jusqu'à Jackson. Il faut barricader cette porte. Tommy, on peut pas rester ici. Les chevaux tiendront jamais jusque-là. J'ai des amis qui habitent dans une maison vers le nord. Elle est barricadée et on contrôle le périmètre. Le domaine Baldwin. On peut y arriver. Ok. Je m'occupe de la porte. D'accord. Tu viens avec moi. Allez. Allez! J'avais 12 ans. J'ai trouvé un skateboard. Oh oh. Et j'ai essayé de monter dessus. Et il s'est barré 5 mètres plus loin sans moi. Mais pourquoi t'as cette cicatrice? Je suis tombée sur mon couteau. Ok. La brûlure, là.
Oh, je l'ai fait exprès. Pourquoi ? Pour cacher une morsure. Juste là. Quand j'avais 14 ans, un infecté m'a mordu. Et... En fait, je suis... immunisée. Alors, j'ai eu une putain de cicatrice, avec des traces de dents, des kystes et... Aïe ! T'es chiante. Quoi ? Moi, je t'ai raconté une histoire vraie. Mais moi aussi, c'est une histoire vraie. Tu veux que je te morde ? T'as entendu ? Jessie ? Oh, merde. Reste où t'es, d'accord ? Attends deux minutes ! Mais retourne-toi, bordel, mais qu'est-ce que tu fous ? Putain, c'est une blague. Vous étiez censé patrouiller. C'est le blizzard dehors. C'est de la weed ? Qu'est-ce que tu fais là ? Vous savez que des gens comptent sur vous. C'est important ce qu'on fait. Alors pourquoi t'es pas au poste de guet ? Parce que Tommy et Joël sont pas venus. Comment ça ? On les a attendus pendant une heure. Je cherchais leurs chevaux et j'ai vu la lumière. Ils sont peut-être rentrés en ville. Sans se faire remplacer, je crois pas. Est-ce que t'as couvert beaucoup de terrain ? Non, pas beaucoup. Alors on se sépare. On prend des directions différentes. On peut couvrir le secteur en quelques heures. J'aime pas vous laisser seul. C'est dangereux ici. Justement, et si ils ont besoin d'aide ? D'accord. Je vais vers l'ouest, Dina va vers le sud, et toi vers l'est. Mais pas de conneries, ok ? Ça va. Merci. Ouais. Hey, je peux te parler une seconde ? Vous voulez qu'on décèle vos chevaux ? Non, alors, on va pas s'incruster. On partira dès que la tempête sera finie. Vous avez des brosses, des serviettes, tout ça ? On peut dire que t'as de la chance. Plus que tu l'imagines. D'où vient votre électricité ? Et où t'étais passé, merde ? Il y a des panneaux solaires sur le toit. Et c'est qui, ce type ? Et vous êtes là depuis longtemps ? Non, depuis hier. Hier. Ouais. Et qu'est-ce que vous faites dans le coin ? Rien, on fait passer. Et vous ? Vous habitez par ici ? Ouais, quelques kilomètres plus bas. Vous devriez rentrer avec nous et faire le plein avant de partir. C'est sympa. Au fait, moi c'est Mel. Tommy. Et lui c'est mon frère. Joël. Quelque chose me dit que vous nous connaissez déjà. Ouais, on te connaît. Nora, c'est bon ? Il est à chasse. Mettez-le contre la vitre. Tommy ! Lâchez-moi ! Lâchez-moi ! Puta madre. Joël.
Miller. Tuxie-toi. Devine. Récite-moi le discours que t'as préparé pour l'occasion. Finissons-en. Soigne sa jambe. Allez! T'as pas intérêt à bouger, putain. Écartez-vous. T'es vraiment un imbécile. Tu croyais crever si vite ? Coincez-la ! Lâchez-moi ! Vite, ses mains ! Lâchez-moi, putain ! Salope ! Arrête ! Hey, arrête, ça suffit ! Ok ! Lâchez-moi ! Toi, je vais te crever ! Qu'est-ce qui se passe ? Laissez-la ! C'est qui, ça ? Elle s'est infiltrée ! Mais merde, vous deviez pas monter la garde ? On pensait pas que quelqu'un viendrait ! Vous êtes con ou quoi ? Faut se tirer d'ici avant que toute la ville nous tombe dessus. Ça suffit. Tu fais la même chose que moi. Tue-le. Vite. Joël ! Lève-toi ! Joël, lève-toi, putain ! Pitié, fais pas ça ! Pitié, non, fais pas ça ! Joël, allez, lève-toi ! Non ! Non ! Va au diable. Arrête de te fuiter !
Est-ce que je peux m'asseoir ? Bien sûr. Maria veut que tu manges quelque chose. Elle pourra pas nous arrêter. Si on veut faire les choses comme il faut, on aura besoin de renforts. Et Jackson se retrouvera sans protection. Va les laisser s'en tirer comme ça. C'est pas ce que j'ai dit. Ouais, mais c'est ce qui va se passer. Et si d'autres chasseurs nous attaquent? C'est toi qui dis ça, ou c'est elle? Elle a pas vraiment tort. Si ça avait été toi ou moi, Joël serait en route pour Seattle depuis longtemps. Ça m'étonnerait. Évidemment que si, putain de merde. D'abord, on n'est même pas sûr qu'ils viennent de Seattle. WLF, Front de Libération de Washington, c'est pas ce qui était marqué sur leur veste? Ils les ont peut-être volés. C'est... Le WLF a peut-être changé de zone. Tu me fais quoi, là? Tu sais quoi? Demain, moi, je m'en vais. Si tu m'accompagnes, tant mieux. T'as aucune idée de ce qui t'attend là-bas. Tu sais pas combien il y aura d'ennemis. S'ils seront armés. Je m'en fous, ok? Tu me feras pas changer d'avis. Donne-moi un jour pour parler à Maria. Pourra bien se passer de quelques hommes. Et si elle n'est pas d'accord? Alors je trouverai une autre solution. Un jour. S'il te plaît. D'accord. Passer chez lui avant de partir. J'ai un truc à récupérer. D'accord. J'ai pas pu prendre les chevaux. Apparemment, Tommy en a pris un. Du coup, Maria a verrouillé les écuries. Putain de Tommy. On trouvera une autre solution en chemin. Une voiture.
voiture, un cheval, autre chose. Ok. Ça va être beaucoup plus dur d'atteindre Seattle. Alors, ce sera plus dur. Tu peux encore changer d'avis, tu sais. Je sais. Je veux juste pas que tu te sentes obligée de venir. Ellie. Si tu pars, je pars. À penser tout. Tu dois aller chercher ton sac à dos. Je l'ai caché près de l'entrée, pour qu'on puisse s'éclipser. Dis-moi ce qu'il te faut. Je veux le faire. Ok. Je vais bien. Viens. Je vais t'attendre ici. Merci. Deinonychus. C'était une bonne journée. Thank you.
vas bien ? Oui, oui. Descends, s'il te plaît. Maria, je pars pour Seattle. J'ai essayé d'oublier, mais j'y arrive pas. Ces gens paieront pour ce qu'ils ont fait. Ellie va essayer de me suivre, mais tu dois l'arrêter. Prends-lui ses armes. Enferme les chevaux. Elle aussi, s'il le faut. Fais-moi gagner du temps pour régler ça. Ton mari qui t'aime, Tommy. Cette mission, c'est du suicide. Il aurait dû m'emmener avec lui. T'aurais dû nous donner des hommes pour traquer ces enfoirés. Je l'aurais fait si j'avais pu. Alors, tu comptes m'enfermer ? Je voudrais que tu restes. Eh ben, même pas en rêve. Je voudrais que tu restes, mais je te connais. Tu l'accompagnes ? Ouais. Alors, vous allez filer en douce. Hmm ? Ouais. À pied ? Ouais. J'ai dit aux écuries de te laisser partir avec ton cheval. Prends des munitions aussi. Merci, Maria. Ellie, rends-moi un service. Ramène mon abruti de mari en un seul morceau. Très bien. Alors partez. Pendant qu'il fait jour. Chasseur le maintenait comme ça, pour le noyer. Et... Joël pouvait pas atteindre son arbre. Bordel. T'as eu peur ? J'ai même pas réfléchi. J'ai m'arrêté là. Oh bah c'est en route, donc tant mieux. Du coup, moi, je vais m'arrêter là pour cet épisode et je vous retrouve très vite pour la suite. Salut tout le monde !